palpation qui est inquiétant. Pour l'instant, il n'est pas sévère, mais il est possiblement inquiétant. Enfin, il est inquiétant, il peut possiblement s'aggraver. C'est un monsieur mauricien qui a une quarantaine d'années et qui présente des signes de petite détresse respiratoire qui nécessite de l'oxygène, pour l'instant avec une simple petite sonde, mais qui est surveillée de près. Ce patient a eu des explorations et notamment aujourd'hui un scanner thoracique qui montre des lésions évocatrices effectivement d'une aggravation de sa situation pulmonaire liée à la COVID. Bien sûr, ce patient bénéficie des derniers traitements. Il n'a pas de facteur de risque. C'est un monsieur qui est en bonne santé de base. Il n'est pas obèse, il n'est pas hypertendu, il n'est pas cardiaque, il n'a aucun antécédent particulier. Et pourtant, il se complique. C'est possible. Alors après, cette complication, elle peut rester comme ça. Hein. Vu son âge, le plus probable, c'est qu'il reste dans cette situation un peu entre les deux pendant plusieurs jours et qu'il guérisse. C'est la situation la plus probable. Mais bien sûr, au cas où, on est déjà prêt à ouvrir la réanimation d'INT et à l'y mettre s'il y a besoin.